Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir ce que vous avez sélectionné pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais j'imagine, sans avoir vu, je sais d'ores et déjà sur quoi vous avez voté. Bien oui, quelle bonne surprise. Vous voulez un petit débrief du live de KB. Bon, vous vous souvenez hier, on était en plein live, KB a lancé son live juste après. Alors la petite théorie de Perma, c'est que voilà, on était sous surveillance et lorsqu'on fait un live, ils font un live derrière. Non, non, c'est pas ça. C'est juste moi, je soupçonne que voilà, son projet est en perte de vitesse et il faut voilà, en parler. Vous êtes en vacances, faut pas que votre cerveau vous s'endort. Il faut faire des piqûres de rappel sur il y a des choses à acheter en ce moment. Donc, petit débrief, du coup, c'est l'occasion rêvée pour sortir ma blague sur le concierge. Ah, vous allez voir pourquoi l'analogie avec notre équipe. Sinon, ouais, j'aurais dû ajouter la météo du Bitcoin. Comme ça, peut-être, ça aurait pu. Il y aurait eu débat, mais là, vous voulez pas. Une petite extension des trolls, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. La fable d'abonné. Ah oui, il y a un abonné qui nous a fait encore. Il nous a. Non, il nous a fait un petit poème sur ma pomme, ça m'a fait marrer justement, j'ai envie de le lire parce que trop trop marrant. Comme je le sens, ok. Et journée de repos, le mérite. Ah merci, 15 pour la journée de repos, 15 fois 26. Est-ce qu'on dépasse les 40? Ah, ça doit faire 30, je pense. À vue de nez, ça doit faire 3 qui ont voté pour ça. Ok, bon, bah on y va pour la bague. Alors je suis tombé sur un site blague des musiciens. Mais on va faire celle du concierge. Allez, c'est parti. On va lire ça posément. J'ai peur que l'image soit floutée. Non, je sais pas. Ou attendez. Ah oui, non, c'est le site qui est comme ça. Parce que j'ai un petit baissé, c'est bizarre, il y a des bandes noires sur le côté, mais c'est comme ça. Allez, courte introduction. Oh, bah, c'est ça fait partie de l'introduction, le truc des concierges. Allez, c'est parti. Alors, un trompettiste s'adresse à son concierge. Écoutez, ce soir j'ai un concert, mais j'ai quelque chose de plus important en même temps. Pourriez-vous m'y remplacer, s'il vous plaît? Mais je ne sais pas jouer. Pas grave, vous soufflez ou bougez des pistons, c'est bon, c'est facile, vous verrez. Plus tard, le trompettiste demande à son concierge si tout s'est bien passé. Non, répond-il, on était quatre concierges. Et là, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que sur le chat, c'est vrai qu'au départ, il y a, bon, selon les dires de Perma, mais je pense que c'était vraiment les vrais chiffres, qu'à l'époque, il y avait 4000, ah oui, si, si, il y avait plus de 4000 investisseurs d'usine. C'est vrai, il y a eu 4 portefeuilles sous surveillance. Et là, actuellement, lorsqu'il lance un live, on est juste 200. Et on se dit, ouais, pour la blague, on est 200 cafards. Mais la réalité est encore plus triste que ça. Parce qu'à un moment, il a cafouillé, il y a quelqu'un de l'équipe qui a cafouillé, qui a posé une question sur le. Si vous vous souvenez, l'investisseur brésilien. Mais au fait, il a cafouillé, le gars, il a voulu le faire sur un autre pseudo, mais il l'a fait sur le pseudo de Karim. Et tu vois Karim qui dit alors, c'est ces investisseurs brésiliens. Et message supprimé aussi sec quand il s'est aperçu de l'erreur. Mais au fait, il y a des membres de l'équipe qui sont là sous faux pseudo qui animent le chat en posant des questions. Et ça m'a fait marrer. J'ai dit, mais quel fracassé. Non seulement ils posent eux-mêmes les questions, mais en plus ils se trompent. Mais ça, c'est hallucinant. Faut le voir pour y croire. Là, on peut dire que j'affabule parce que si vous revoyez le live, je pense qu'ils suppriment le chat. Mais c'est vraiment vrai, là, le cafouillage intégral. Faut le voir pour l'y croire. Même moi, si on m'avait raconté ça, il se dit, mais non, c'est pas possible. En plus, sur l'investisseur brésilien, pourquoi normalement, vous posez ce genre de questions, vous êtes banni du chat. Mais là, ça a l'air d'être vraiment. C'est dans les tuyaux, c'est dans leurs tuyaux, dans leur plan, à un moment. Investisseur brésilien qui va faire pop le truc, et bien évidemment, pop and dump. On connaît la musique. Donc. La stratégie dévoilée, c'était quand même hallucinant cette histoire. Bon, sinon, moi j'étais arrivé en fin de live où ça parlait beaucoup de foot, hein, je sais pas. Bah oui, bah, c'est normal là. En ce moment c'est la Coupe du Monde, Benzema, machin, dénigrement intégral. Alors que bon, après, bon, je suis pas très footeux, je suis même pas du tout footeux, mais bon, c'est quand même hors de propos dans un live crypto encore. Moi je lui ai dit fais deux lives séparés pour que quand même on mélange pas les torchons et les serviettes. Parler de foot dans un truc crypto, c'est ahurissant. Peut-être
Peut-être pour la blague, on pouvait se dire, ouais, il va le faire, mais il l'a fait. C'est surréaliste. Après, on peut dire, ouais, c'est pour meubler, mais même pas. Son live, il dure plus d'1 heure. Donc, c'est vraiment pour faire la parlotte et pour toucher un peu un large public. Alors, après, il nous a. Enfin, après, bon, j'ai revu le live, le début du live où. Ah oui, ce qui m'a fait marrer, c'est. Qu'est-ce qui m'a fait marrer, c'est tout le débat. Au tout début, oui. Ah oui, non, déjà, pour commencer, il a dit. Un truc marrant. Bon, on t'attendait dans 2 semaines, mais là c'est un live surprise une semaine après. Mais bon, d'après ma mémoire, c'est qu'il avait dit la semaine d'après, il lui avait posé la question s'il y aurait un live cette semaine. Il a dit, oh, il n'était pas sûr. Donc, c'est pas un live surprise, c'était un live programmé, enfin, on va dire attendu quand même, parce qu'il a dit c'est pas sûr. Dans le c'est pas sûr, c'est que il y a des chances qu'il y ait lieu, et là il a faim à la surprise, comme quoi on t'attendait pas de voir aussitôt. Bon, c'était assez marrant. Et après, bon, il nous a sorti une nouvelle mimique. Ouais, riche en nouvelles. Ouais, soi-disant, c'est riche en nouvelles, mais bon, allez, je vais vous spoiler. Il y a eu aucune nouvelle. Il y a eu rien. Même, on était encore plus dans le flou parce qu'on devait nous annoncer, bon, Aventurix, c'est la fin du mois. Donc, voilà, pas de date fin du mois, donc vous allez dire, bah, c'est le 31. Au 31 du mois, bon, sans surprise, il n'y aura rien, bon, on fera les étonnés. Après, ouais, il y a un truc marrant, c'est quelqu'un, ouais, dans le chat qui m'a dit, ouais, est-ce qu'il est vraiment à Dubaï? Parce que le fond d'écran, il est plus stylé chez l'équipe d'usine que chez Karim. Mais je pense qu'il est vraiment à Dubaï, qu'il est en, je sais pas, en petite vacances, là, c'est l'été, il se repose un peu. Et puis voilà, il devrait te prendre ses petites vacances, il a les moyens et tout. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment vrai, même si il aura pu nous faire ça, je sais pas, avec son téléphone portable, derrière une piscine comme certains, nous faire un peu envie, tu vois, ou en terrasse, ou je sais pas, sous un parasol. Enfin, il y avait moyen de faire ça en extérieur, pour pas cher, mais je sais pas pourquoi il a fait ça dans sa pauvre chambre d'hôtel. Et du coup, Ali, ouais, faut que tu nous appelles. Faut que tu nous appelles l'hôtel de Cabé là pour se marier un peu, pour relancer un peu le truc. Comme à la bonne époque de Punta Cana, ça peut être marrant. Sinon, autre chose, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, bon, des projets. Ah oui, il y a eu un truc marrant sur le Glooky. Bien sûr, sur le Glooky, sur le Glooky, sur le Glooky. Alors, bon, il venait aux nouvelles Cabé. Quels sont les chiffres, hein? Il y a combien d'investisseurs qui ont investi là-dedans? Et timidement, ah, c'était qui le présentateur? J'arrive pas à. Ah, c'est Simon, voilà. Qui disait, ouais, 60 000. Et la cabine, un peu bugué, dit, non, quoi, répète. Quoi, 60? Quoi que ça? Parce que 60 000, c'est juste pour me payer mon sandwich à Dubaï, quoi. C'est pas assez. Après, si. Ah, non, si, 70 000, 76 000. Pff, oh là là, c'était vraiment. On s'attendait pas à des chiffres aussi bas. Parce que, oui, le truc annoncé, c'est que vous allez faire du x10, mais vous êtes quand même. Bête de pas vous précipiter beaucoup plus de gens, au moins faire une levée de fonds d'1 million, 1 million, 2 millions, un truc comme ça. Mais là, ça fait vraiment pauvre. Ah, je pense que c'est la vraie raison pourquoi il est venu nous rabattre les oreilles. Ouais, bah, ça va être introduit avec un démultiplicateur de 2 x 10 avec un zéro qui se décale. Bah, ça, on connaît les promesses. J'allais dire, j'en mets la main à couper, mais le truc, je pense que ça va être. Alors, on va bien surveiller l'introduction de ce truc, mais ça va faire un gros flop monumental. Surtout, bah, il n'y a personne qui est derrière. C'est ça qui est triste, au final. C'est vraiment. Ouais. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'il nous. Ouais, bon, sinon, dans tout le long, bon, bah, c'est vrai, bande d'esclaves, pourquoi vous achetez pas du Glooky? Elle nous a fait la longue tirade encore. Ouais, il y a eu Chaud de Coton. Bah, Chaud de Coton, un grand classique. Hein, ça nous l'a rabâché. Alors, on est des nuls, on est des nazes, on est tout ce que vous voulez, mais on n'achète pas de cookies derrière. Peut-être que, bon, il y en a certains qui ont un cerveau derrière et qui se disent, peut-être qu'on va pas y tremper. Même moi, pour 10 balles, je vous avouerai, même gratuit, même pas de pub, je fais rien. C'est bon, je crois que j'ai vraiment compris que c'était un truc qui valait zéro nada, des zéros pointés, etc. Enfin voilà, même Elon Musk, je pense, bah lui aussi il avait fait un truc sur le Doge en disant que c'était shitcoin machin, et au final il a pas plongé. Peut-être que les investisseurs commencent à comprendre que voilà qu'on les manipule, qu'on leur dit d'acheter tout et n'importe quoi, et après derrière on se fait insulter, on dit ouais c'est shitcoin etc. Bah oui, bon, maintenant il y en a qui le sentent, et du coup
Le petit live, ça va rameuter les derniers, mais non, on était que des cafards et que des gens de l'équipe dans le chat, hein, un point c'est tout. C'est pour ça que voilà, on va bien se marrer cet été. Alors, le flop du Glouki, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière? C'est bon, au moins il y en a qui vous avez pas acheté, on va pas dire que vous êtes des nuls. Et puis voilà, on aura au moins sauvé quelques-uns. Ça commence à rentrer, ça fait plaisir. Allez, on attend le prochain live de Karim avec impatience. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.